Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Mountain Blade de Bannerlord. On s'est arrêté la dernière fois, on avait pris le château de Corinia et la cité de Cyronea. Alors, je suis en train de me dire qu'il va peut-être falloir que je poste une personne. Bah pour gérer le château, ah, la paix avec l'Empire méridional, ça me va totalement. Voilà. Ouf, ça fait du bien. En profiter pour chasser les pillards pendant que je vais réfléchir à un moyen, bah, tout simplement de. Oui, je sais. Oh la vache, 3 800 de revenus par tour. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, bah, c'est que je vais me marier. Je vais me marier à. Peut-être à la fille du dirigeant de faction, quelque chose comme ça. Si on a le royaume. Clan, qu'est-ce que c'est clan maître? Ouais, c'est Lucon. Alors, Lucon. Voilà. Allô Zéa. On essaie d'aller le choper, hein. Ah oui, il est loin. Essaie d'aller chercher, on va se marier, on va mettre la femme en dirigeant de château. Parce que là, je n'ai pas encore d'enfant, je n'ai pas encore de. Enfin, j'ai mon petit frère, je crois qu'il n'est pas assez âgé. Tu me trompes pas? Ah, quoique. Attendez, il vient de. Ah, c'est vrai qu'il avait gagné un peu d'âge. Il est à Sanéopa. Allez, on va aller à Sanéopa. Je n'ai aucune idée où est-ce que c'est. C'est là. C'était sous mes yeux. Tiens ça. Sur nos donjons, Rhoda, Phasphos. On va l'amener dans le groupe. On va quand même essayer de se marier. Ça pourrait être pas mal. Alors, il est où? Comment il s'appelle déjà? Lucon. C'est Chazon. Fadon. T'as mis tous par Déon? Alors, voyons voir. Lucon. Pardon, excusez-moi, Etania. Ah bah non, il se balade beaucoup. Allez, on va aller en direction d'Empré là. Et on va espérer tomber sur Lucon. Déjà la touche pour je sais plus, c'est qu'il y a une touche, je me souviens plus de la touche. Et Tania toujours, il y a 2 jours, ah, super.
Il n'est pas là. Il n'est pas là. Argoron. Il fait que de faire des allers-retours, c'est fou ça. Phasogen, elle est en liquidation, tu m'étonnes. Allez, Argouron, bonjour, je cherche Lucan, s'il vous plaît. Il est là. Parlez. Alors. J'aurais décidé avec vous de quelque chose, je voudrais proposer. Une alliance entre nos familles par le biais d'un mariage. Posez ma propre main. Sustada. En attendant, ça les balèze. Bon, un peu perfide. La généreuse. Aimante et prévente. « 39 ans, autant comme demain un gosse, moi. Très bien. Ah. Oh. Pas cher. Si ça da... Ok, très bien. Où est-elle? Au château d'Atrion. Bah c'est pas mon château, là, justement. Ah non, Atrion, Atrion, Atrion. Ah, je l'ai déjà vu quelque part, je sais pas pourquoi. Atrion, Atrion, c'est pas là-bas, non. Château de machin, château de truc, château de bidule. Ah, le pire, c'est qu'il doit être sous mes yeux, tu vois. C'est un peu au sud quand même. Oh bah, quand on trouve pas, on... Il est là. Il était pas loin. Vive les mariés. Susada, tu vas venir avec moi. Voilà. Voilà, on l'a fait venir. Et on va aller au château. J'ai quand même un bon revenu là, hein. 3 500 par tour. C'est vraiment plaisir. Je pense même que j'ai pas mal d'influence. Ouais, 5 par tour. Tiens non. Empire occidental. On va laisser, laisser traîner ça. Ah. Ouais, ils nous sont déjà... J'avais déclaré la guerre à purée. Alors, j'irai château, voilà. Augmente la croissance des foyers dans les villages. Allez, c'est parti. On a un château en plus qui est plutôt pas mal développé. Hein. Allez, on va y remettre un peu d'argent. Ah, niveau sécurité, c'est pas ouf. Hein. Ah, ça se fait que ça soit pas. Évolution de la sécurité, moi, bah ouais. Quand ça se fait. Peut-être parce qu'il n'y avait personne à la tête. On retournera ici dans quelques temps.
On s'entend mal avec les pires. C'est pas les méridionales, c'est septentrionales. Occidentales, ouais, voilà. On est assez loin en vrai. Ça devrait aller. On ira. Purée. Gérer la ville. On a un camp de foire dans 24 jours. Ça met un peu plus de temps, hein. Forcément. Forcément, ça met plus de temps. Ok. Et puis on fera un verger. On n'a pas le choix. Ça va prendre du temps, mais. Mais ça va le faire. Ça va se faire petit à petit. Allez, on va recruter de la troupe. On a des bonnes unités à 200 ici, c'est vraiment sympa. Bon, on m'a vu, lui, il voulait piller. On va accéder. Ouais. Il va y retourner. Allez, on va intercepter. On va aider les défenseurs. Voilà. Bienvenue chez moi. Ah, un vétéran. Ah, quand même. C'est de la bonne unité. Direction Sironea. Vers la ville 5 jours pour l'aqueduc. Forum, on a déjà notre fortification qui est au maximum, ça c'est bien. Allez, on va receler tout ça. Tout ce beau monde impeccable. On ne subit pas d'attaque chez nous, ça c'est bien. Donc on va te défendre, on va tout défendre. Les pillards, ils sont un peu rapides hein, quand même. Je devrais y être un tout petit peu plus. Ok, il y a d'autres pillards là-bas. Ouais, les buts étant, je suppose qu'en cassant du pillard, ça devrait augmenter la sécurité locale. On verra ça, peut-être bien. Dans tous les cas, ça donne un peu d'expérience à mes troupes, c'est pas mauvais. Ok, 37 pillards là-bas. 37 plus 7 pillards. Hop là. Ben, c'est la pauvre milice qui a perdu quelques troupes. C'est pas dingue. On va dire que c'était de l'entraînement, quoi. Ok, là-bas c'est à nous. On va les défendre également. On va vérifier ainsi qu'il n'y ait pas de pierre surtout. Ah, il y a du bois ici. C'est vrai qu'il y a du bois parce que. Voilà. J'en ai pas assez. J'avais dû me séparer de ma cargaison. On va refaire le plein. Hop là. Tout vider, on ira. Tiens. Ah ouais. Hop là, commerce. On va tout vendre. D'ailleurs, j'ai pas autre chose à vendre. Allez, voilà, à mon avis, il y a de quoi faire quelque temps. Faisons le tour, voir s'il n'y a pas des quêtes simples. On a besoin de travailleurs. Ah, j'aurais peut-être dû garder prisonniers les quelques pierres. Ça n'est pas grave. On va receler des marchandises, non. Je vais mettre à dos les marchands.
On a besoin d'outils. On va voir si... Ça n'est toujours pas assez, c'est fou. Hein. Consommation d'outils. Impressionnante. Commerce. Là-dedans. Hein? Ah ouais. C'est pas fameux. Hein. Attends, il n'y a pas beaucoup de, villages là. Genre, il y a vraiment deux villages. Ah mince. Ah pas ouf. Non, sérieux. Chef. Ah ouais, il y a deux villages. Ah zut. C'est pas grave. On va aller récupérer de l'outil. On ira, doit y en avoir. Allez, à gagne de l'expérience, c'est bien ça. Alors, c'est un truc de... Ah, vous gagnez un bonus. Opérage, ouais. Ouais, allez. Aléa, allez, allez, Aléa. Jacta S. Les coûts de recrutement, ça du tout, je m'en fous. Mince. Ah, quoique. Ouais, c'est pas plus bête, hein. Ça fait longtemps que je suis pas allé à la forge. Affiné. J'ai plus de bois. Ouais. J'ai pas de quoi faire ça. Ah, j'ai plus de matériaux à cause des autres. Ah oh là là. J'ai oublié ce détail. C'est pas grave, on verra ça plus tard. Les outils. Hop, 30. Au moins, ça fera bien marcher mon petit commerce. Bah non, c'est pas le mien. Mince. Qu'il y ait des pillards, on s'en occupera. Là, des outils. Hop là. Oh putain, il y a eu du poisson là. Tiens, il n'y avait pas là. Bon, ils se sont barrés. Ok, Matanos. T'as gagné en charme. Non, vraiment des notables ruraux, t'as moins. Ah, d'accord. Hop là. Allez, non, ça s'active là-bas. Quand même vérifier qu'ils prennent pas territoire ou pas trop. Ouais, ça va. On est bien détendu en vrai. Prochaine étape, ça pourrait être. Ça pourrait être le château d'Audrisa. Et où la cité de Danustica. Ce sera pas mal. Comme ça, on resterait sur un territoire assez, assez proche. Très pratique. Pas d'aller-retour à faire d'une cité ou à un autre, pas à traverser le territoire. Hop là. Allez, Pierre. Viens là. Viens les mamandes, merci. Faire quelques prisonniers, on se souvient qu'il y a. Il y a une quête où on a besoin de ces fameux prisonniers, pardon.
Hop là, pareil. Ça doit être pour l'Arthusis. Ça doit être pour l'Arthusis. Alors il fait bon, mais là il fait froid. On n'aime pas trop venir par là, il fait frais. Hein. Mais en hiver. En été on aime bien, parce qu'il fait moins chaud. Okay, bon, ça se développe tranquillement, gentiment, les villes. On a l'aqueduc qui s'est fait. Hop là, on prépare à la prochaine, prochain niveau de l'aqueduc. Salut à toi, le pillard. Ils sont rendus, c'est bien. Avec des olives furo, les pauvres. Y'a quoi à manger ce midi? Des olives. Ah. C'est tout? Ah ouais. D'accord. 48 et 47 pillards? Eh ben. Allez, on va affronter les deux en même temps. Voilà, quand même 97 pillards. 95 pillards. De moins en moins de cavalerie, il va vraiment falloir que j'aille faire le plein de cavalerie. Dans le coin, il n'y a pas grand chose. Y a pas beaucoup de villages qui me proposent de la cavalerie, dans le coin, c'est un peu dommage. Alors, niveau unité à distance, il n'y a pas de problème. Hein. Niveau cavalerie. Et encore quelques cataphractaires royaux, mais j'en ai perdu beaucoup hein, à force quand même. Voilà, on fait feu. Par contre, quand t'as une salve de 60, ça fait plaisir. Ouais, ils fondent comme neige au soleil. Hein. Hop, ça y est, ça fuit au loin. Allez, j'envoie la cavalerie pour les pourchasser quand même. Dégage toi. Mais. Voilà, il manque un petit dernier là, je crois. Ah non, on a un petit dernier là-bas. C'est bon. C'était le dernier. Ça n'a pas de perte. Oh, beaucoup de pillards. Wesh. C'est parti. Je voulais voir quelque chose. Alors déjà ils sont pas de chevaux, ouais. On va aller dans notre village pour ça. On va aller. Bah là on doit faire la quête, je crois. Je vais y vérifier une chose. Oh, double up. Donc, discipline. Pouvez maintenir le 10-50% plus longtemps sans perdre l'arc. Bon, des dégâts à l'arc. Contre les montures de 30%. D'entretien de la garnison se réduit de 15%. Bof, question de loyauté, je préfère provoquer une pénalité supplémentaire de 20% au moral de la bataille lorsque vous éliminez des ennemis à distance à dos de monture. Les troupes montées dans votre formation provoquent une pénalité supplémentaire au moral lorsqu'elles tuent un ennemi à distance. Ok, à dos de monture, ouais, c'est la même. Ah, au corps à corps.
Ouais, moi j'ai plus d'ennemis corps à corps, j'ai plus des unités de corps à corps, même si là j'en ai plus beaucoup. Mais ouais, je préfère faire une bonne charge avec la cavalerie sur les unités à distance ennemie qu'utiliser des unités d'harassement pour l'instant. Alors, vous avez besoin de travailleurs, très bien mon ami. Vous avez besoin d'aide, hop, et tiens, je vous apporterai 36 prisonniers, et même plus. Voilà, ben ça va. Tu vas être très content, je t'en apporte 71, bim, ah, tu t'en apportes trop. Bon. Il n'y en a pas plus. Pas de soucis, je comprends. Hop, il y en a d'autres ici. Quand il est allé chercher. Qui est prisonnier. Et je me demande même si eux, par hasard, est-ce que au niveau de la mine d'argent, ils n'auraient pas besoin de quelques travailleurs? Eh bah si, parfaitement. Oh, tant qu'à faire, autant leur refiler, hein. Hop là. Allez, allons chercher des unités montées. C'était où? C'était où? Ça devait être là-bas. Hein. Non, si j'ai pas cherché mes unités montées vers là-bas. Ok. Ouais, il va falloir un paquet. Hein. Alors, ouais. Alors vous voyez, quand je gagne un petit peu moins d'argent à chaque tour, c'est pas anormal. Oh la vache, un sacré tribut. Totalement. Un très très beau tribut. Alors si je gagne un peu moins d'argent chaque tour, c'est normal, comme je disais. Simplement bah, que. Dans mes cités, mon château, bon, je vais recruter donc de plus en plus de garnisons pour les défendre. Et qui dit garnison dit bah ça va me coûter un peu plus cher quand même, un entretien. Voyons voir. Ok. Donc je ne peux pas les recrues impériales, je ne peux pas les transformer en unité de. De cavalerie corps à corps, tiens, c'est dommage ça. C'était bizarre ça. Ah, Vigla Novice Impériale, c'est eux qui deviennent des. De la cavalerie. Très bien. Très bien, je comprends. Ok. On va recruter que des Vigla Novice alors. Ou tout simplement carrément de la cavalerie. C'est bien aussi. Ouais, faisons le tour, on va recruter tous les Viglas qu'on peut. Il n'y a pas de Vigla ici, dommage. Va faire le tour. Ça on peut pas, hein. C'est pas des Viglas. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a des villes là, en vrai de vrai. Non, je suis pas chaud, surtout que je suis pas chez moi. Allez, villes là. Voilà, Guimos. On peut pas passer là. Zut. Il n'y a pas de ville là. Si on va sur ressources. Est-ce qu'il y a ce qu'il faut? Oui, beaucoup de ville là en plus. Ok. Continue. S'il y a Cryo, s'il n'y en a pas, c'est quand même un peu une arnaque.
Une ville quand même qui produit pas mal de chevaux. Ah. Flûte. Bon, ils se sont fait piller les pauvres. Une de la novice impériale. C'est pas cool, mais bon. Allez, on va aller là-bas vite fait et on va vite rentrer chez nous. Parce que je pense que je vais me faire piller mes territoires. En guerre contre eux, c'est moi les premiers, c'est moi le plus proche avec Onira et Parasemnos. On va très vite rentrer. Ça marche pas, hein. Il n'y a pas de ville là, il n'y a pas de ville là. C'est bien dommage. Oh, bien, 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 bien. C'est pas grave. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut maintenant. Et que si on ira. Tac, 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 tac. Ça, j'ai pas mal d'unités de cavalerie en devenir. Soit d'unités de cavalerie, soit d'unités de cavalerie en devenir. Vachement de pierres ici. C'est fou. Toi, tu dégages parce que tu vas venir chez moi, mais je veux pas que tu viennes chez moi. Voilà. Allez, du bois dur. Ça m'intéresse. Et ouais, regardez, Vigla Novice qui devient Equites Impériale. C'est bien. Et d'ailleurs, je sais pas si on a. Voilà. Si on va là. Non, j'ai pas pris le bon. Pas de chance. Vigla, 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 Vigla Novice Impériale. Cataphractaire d'élite impériale, voilà, ça reste le dernier niveau à atteindre. Il y a des pillards, on va vite s'en débarrasser. Ah, il y a des bandits. Les bandits, c'est dire qu'il y a un repère quelque part. Je me demande s'il n'est pas quelque part par là-bas, non? À vérifier, ils aiment bien se mettre là. Il est là. On va s'en débarrasser. Parce que les bandits vont avoir tendance à venir chez moi. Et je suis pas fan. Bandits, j'aime pas trop ça. Tac 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 tac. On va prendre tous les villas. On a une recrue là. On a une recrue plus les villas. Voilà, je suis pas fou. Ok. On va les aider un petit peu quand même. Je les envoie, mais juste après. Ça touche pas? Voilà. Allez, je vais les envoyer maintenant. Ah, oula, j'ai fait un décalage. D'où là? Ici, hop là. Arrête. C'est pas plus mal que je prenne l'agression. Il faut pas que je laisse tirer sur mes troupes. Ouais, parce qu'effectivement, elles sont encore novices, elles sont fragiles, elles ont des équipements légers. On va quand même éviter qu'ils prennent trop de dégâts par surtout par les armes à distance. Ah. Bon, je lui ai fait plus mal que prévu. Voilà, ça va charger en contre 1 ou 2.
Dommage. On va les envoyer, ils vont y aller là. Ils l'ont eu. Ouf. Voilà, on a blessé quelques-uns, ça va leur donner quand même de l'expérience là. Voilà, bon ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contre 1, mais bon. Ça fait toujours ça de pris. Il commence à m'énerver. Avec son bouclier pourri là. Non mais. Voilà. On a 5 Viglanovis novices qui ont monté d'un niveau, c'est bien. Même l'encre impériale qui a monté d'un niveau, c'est parfait. Hop là. On récupère la nourriture. 5 de cavalerie supplémentaire. Tout simplement. Il y a des brigands ici. Des bandits. Tout ce qu'il faut hein. Pour s'entraîner, c'est complet. Hein. Tac, allez hop, hop, hop. Ah, bien garder une sécurité. La sécurité dans le territoire. Voilà, on n'aime pas les méchants. Ah. Bah, pas chaud. En fait. Moi, je m'abstiens. Ils ouvrent deux fronts, les couillons. Ils sont pas mal. Hein. Cinquante et un pierres, ah ouais, ça fait beaucoup de pierres hein, quand même. Alors, les troupes. Ça n'a pas donné d'expérience ici, si, peut-être? Si. Hop là, on envoie 51 pierres, faut pas les louper ça. Là, on attaque. Vous voyez, hein, déjà, j'ai un peu plus de cavalerie. Je l'ai facilement doublé là. Ouais, facilement. Même quelques unités à distance. Bon, ça, après, c'est pas non plus. Sur quelle distance? 240 mètres. Ok. Ils sont très proches, l'arc et la lance. Combien? 160 mètres, ok, ça va pas tarder à faire feu. Il faudrait que je mette tout sur une ligne, ça sera plus efficace apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Touche ça, c'est bon ça. Allez, charge des footmen, des hommes à pied. Il a pris tarif. Bon. Zut alors, non, décidément. Ok, là y'en a là-bas. Ouais, y'en a là-bas. Je suis un peu loin. On va aller chercher, allez. Ah bah. 2, 1, 2. Et le dernier. C'est bon, c'était le dernier, c'était le dernier. On a eu pas mal de montées de niveau, non? Ah bon. J'ai mal vu, 5, 6, oh, c'est toujours ça près. En vrai de vrai. Ça nous augmente encore notre cavalerie, enfin
La taille de notre cavalerie. Hop là. Voilà. J'y croyais plus. Terminé. Terminé. Suivant. 10 pierres là. Me dirait ils sont, ouais, mais ils sont pas vraiment dans ton territoire. Ouais, mais ils vont pas tarder à y arriver. Hein. Ils ont déjà tout pillé ce qu'ils pouvaient piller ici, j'ai l'impression. Ah, j'ai eu un blessé, tiens. Hop là. On va aller défendre tout ça. Pas l'air d'en avoir des masses, s'il y a quand même un peu de pierre là. J'en vois 17. Je pourrais créer une troupe qui défende un peu les environs, mais bah ça coûterait de l'argent à chaque tour. C'est l'inconvénient. L'avantage, c'est que j'aurai moins de pierres. J'aurai clairement moins de pierres. Parce que là en plus, ils sont assez rapides. Si ça va, je les rattrape. J'ai pas mal de vitesse. C'est toujours ça de. Ce serait toujours ça de gagner. Après, qui c'est qui gérerait la petite armée? Ah, bah, ça pourrait être mon frère. J'ai un frère qui est dispo, je crois. Ok, 5 pierres. 5 pierres ici également. 12. Oh là, oui. Hop, on va aider les villageois. Ça donne des stats de fou après, en plus de le faire. Alors regardez tout ce qu'il m'envoie l'autre là. Oh là là, c'est fou. Et 12. C'est pas bien géré son territoire, là il défend plus, du coup il y a des pierres de partout. C'est pas bon ça. Et puis la joie qui ont même peur de se déplacer entre les villes. Hop là. Ok, ils ont l'air d'être un peu calmés ici. On va continuer. Pas de repos pour les guerriers, comme on dit. Allez, faisons un petit tour de nos propriétés. Propriétés, oui, c'est, on peut dire ça. Si on gère la ville, on n'a plus beaucoup d'argent ici, on va faire un plan. Ça aide la construction, hein, tout simplement. 22 jours pour les terrains de formation. Et on fera en dernier les fortifications. Donc on est bien, on a une bonne sécurité, on a un beau taux de construction. Prospérité, elle est vraiment pas mal. 3400, c'est vraiment pas mal du tout. Ici, gérer le château, qu'est-ce que ça nous donne? On est toujours bien, sécurité, c'est correct. Bon, prospérité, c'est pas ouf, mais c'est un château, c'est normal. On va rajouter un peu d'argent à la réserve. On a la garnison qui est bientôt faite. Là, je vois que par contre, c'est blindé de pierres. Vite s'en occuper. C'est le retour des pierres. Zut. On n'a pas été très longtemps tranquille. Hop là, les pierres, viens là, viens là. Alors c'est bien. Allez, on avait aux alentours des villages de Metachia et Corenia.
sont barrés. Ouais, ils ont peur. Ouais, ça me va. Et on va aller à Sironea. Une fois qu'on se sera débarrassé encore de ces pillards. Voilà. Ah, j'ai plus beaucoup de nourriture, il va falloir que je récupère. Ah, bah, il y a des pierres ici, je vais pouvoir en récupérer un peu, mais bon, c'est pas non plus énorme ce que je vais récupérer sur. Une bière. Effectivement, c'est vraiment pas ouf. Au niveau du groupe, ouais, voilà. On a encore augmenté deux rangs nos hommes. Alors, achetons, achetons, à manger, quelques céréales, voilà. Un peu de poisson, je sais ce qu'il faut, il me semble, un peu de beurre, hop, de la viande. Voilà, des raisins, on peut tout prendre, du fromage, on peut tout prendre. Ce serait pas mal. On va arrêter culinaire, là, ils sont contents. Gérer la ville. Ah, bah, il n'y a plus grand-chose dans les caisses non plus ici. Sécurité, elle baisse. Ça c'est embêtant. Donc quand la sécurité baisse, problème lié au vu problème du village lié à tâche de la colonie. Problème du village lié. Ah, il faut faire la quête, c'est ça? On essaie d'aller sur les pâturages, là je sais pas d'où est-ce qu'il veut aller. Mais... Eh, doucement, 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 doucement. Voilà, les bergers là. Ah oui, pas de ça, nous faisons pâte, oui, des troupeaux, ni... ouais, bah faites part de l'alliance à vos seigneurs. Hein. Vous n'êtes que le laquais d'une riche vermine, bah bravo. T'as vu comment tu me causes, toi? Bon, par contre, j'aurais préféré que ça soit dans un autre village. Pas de chance. Armée de braconniers. Si vous avez besoin d'aide, je vais me débarrasser de quelques braconniers. Ah, je vous aide juste après les gars. Bon, je veux juste me débarrasser d'eux avant. Bah deux du coup. Hop là. Quelques pillards là-bas. Ouais, non, c'est bon, ils sont barrés, ils ont compris. Attends ici un moment. On va attendre les braconniers, on va combattre les braconniers. On va casser du braconnier. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a en autodéploiement. Ah, c'est des rizières ça. Ok, on est bien. Ouais, on a pas mal de troupes, hein. Ça c'est vraiment agréable. Je sais pas, c'est des salades, des carottes, je sais pas trop ce que c'est. J'ai combien de cavalerie? C'est quoi? On va demander d'ailleurs à la cavalerie de charger. C'est qu'aux unités à distance là, on va se rapprocher. Alors on veut tirer dans le tas. Ça touche pas. Touche pas encore, c'est pas vrai ça.
Ah, ça lui a transpercé le bras, mais il n'a pas pris de dégâts. Bon, c'est bon les gars là. C'est quand vous voulez hein, les gars, vous faites quelque chose sinon. Seul, hein, j'ai l'impression, mais mince. Bon, changement d'arme. Allez, baisse ton bouclier, toi. Pardon, ça l'a pas touché. Voilà. Suivant. Ils se baladent dans le verger, les salauds. J'y vois pas grand chose. Voilà. J'y vois vraiment que dalle. Il y en a là. Voilà, ils vont bientôt sortir du verger, on y verra un peu plus clair. Mais c'est pas vrai, mais putain, je me fais bloquer par. Voilà. Bon ben, on les termine. Voyons voir, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ça a donné de l'expérience, ça c'est vraiment pas mal. Voilà, ça m'a permis d'augmenter un petit peu aussi mes relations. Qui était un peu basse, qui ont baissé, hein, dû un petit malentendu. Je veux juste voir si ça a bien fait remonter la sécurité. Ouais, indéniablement, ça fait remonter la sécurité. Très bien, très bien. D'ailleurs, si on va se promener dans la ville, par pur hasard, est-ce qu'il y a des bas quartiers? Une ruelle mal famée. On a une. Il y a la clairière. Il y en a deux. Une ruelle et il y a la clairière qui sont. Oh, attends. Il y a des chevaux là. Est-ce qu'il n'y aurait pas mon petit cheval à moi? Que je cherche depuis. Je cherche quelqu'un, mon cheval. Non, toujours pas. Bon, pas de chance. Oh! Ça y est! Oh, je n'y croyais plus. Je chevauche un cheval. Sans selle, sans rien, mais je chevauche un cheval. Voilà. Voyons, il y a de la caisse dans cet endroit. Hein. Pas très pratique, hein. Ah ouais, les trois endroits, les trois ruelles. On va vite se rendre dans ces ruelles et on va vite se débarrasser des problèmes. Où est-ce qu'il m'a suivi, mon ami? Il arrive. Ouais, bon, c'est le problème du coup, c'est que. Petite ruelle sur l'ombre. C'est un tanneur, ça? C'est un. Après, en soi, il est tout seul. Ils sont deux. Ah! Putain, pourquoi j'ai pas réussi à le taper? Mais pourquoi il fait que des coups en pointe? Même le cheval il le protège? Non mais j'y peux plus là. Ça fait un coup en pointe alors que je lui dis de faire un coup de droite à gauche. Et toi là? Ah d'accord. Voilà. J'ai pris cher. Allez, on va attendre ici. Ça augmentera d'autant plus la sécurité. Oh putain, ah oui.
petite armée qui arrive là, 999 personnes. Vraiment pas falloir faire de conneries à la capitale. Hein. Oh la vache. Enfin, ma capitale, pardon, dans la cité. Il est fou. Attaquons, attaquons. Il s'y croit, très bien. Ah oh ouais, ça va pas loin alors. Bien joué les gars, bien joué, bien joué, bien joué. Hop là. De toute façon, on va être tous le devoir, rien à foutre. Ramène-moi cogner, c'est parti. Je vais me débarrasser de ce bois cogner moi-même. Allez hop. Les villages seront des endroits sûrs, il n'y aura pas de corruption. Et si on doit employer les grands moyens, on le fera. Faut des fois savoir mettre des baffes. Pour pas avoir besoin de gronder, comme on dit. Alors. Allez, je vais envoyer la cavalerie et les unités de corps à corps. Et on va aller casser tout ça, toutes ces petites unités à distance là-bas. On va attendre. Ah! Pourquoi ils viennent vers moi? Ah! Ils venaient pas vers moi. Pas que. Hop là, à gagner un niveau. J'espère que c'est un maniement de l'arc. Oh merde. Putain. Bon, ils ont l'air de fuir par là-bas. Allez hop. Ah. On va chercher ceux qui sont plus loin. Ah, c'est déjà la fin de la map. Ah, purée. C'est parti. Oui, récupérer du cuir. Une petite quête de fête. Toujours ça prêt. Alors là, niveau sécurité, il y a les 0,89. On est bien. Allez. On investit dans nos bâtiments. On va pas garder du fric pour garder du fric. Ça, c'est un truc que je trouve débile. Oh là, ils sont 103 là. Vraiment? La direction Coronia, combien on gagne par tour? 2500. Ouais, c'est normal, on n'a pas les tribus des. Comment on appelle ça déjà? De deux. Pays? Ouais. 7 jours, collecteur de péage. Ça me va. Et ici, y a-t-il quelque chose? Information 12 jours. Ok, bon, bah, on va faire tourner un peu tout ça. Ça, c'est pas le genre de quête intéressante.
Si c'est une caravane, c'est bon, je m'en fiche. Ok, allez, c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. On aura pas mal consolidé notre position. On a été pendu des montagnes. Heureusement. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère. Je vous propose de me retrouver pour le prochain épisode. N'hésitez pas. Ouf, c'est compliqué là, cette fin d'épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire si jamais vous avez une petite remarque ou quoi que ce soit. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet étude. Ciao!